petit coucher de soleil, tranquillement, dans la colline. Oh là là, comment ça déchire, franchement. C'est super beau. Salut tout le monde, c'est Jolat. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Minecraft. Eh ouais, regardez ça, je me suis fait une petite caverne en vous attendant et tout. Ça déchire, mon vieux. Bah rentre, mon vieux. Alors, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Il y a eu beaucoup de retours sur la vidéo de Minecraft. Franchement, ça m'a fait super plaisir. C'est un truc de fou. Regardez, j'ai mon petit four, mon établi. J'ai fait un petit lit tranquille. Et puis là, j'ai ma petite table de chevet. Elle déchire. À l'heure où je tourne cette deuxième partie sur Minecraft, la première vidéo est sortie. Ça fait quoi? Ça fait à peine une heure. Je vous avais demandé de mettre 1000 pouces bleus sur la vidéo si vous voulez que la série continue. La vidéo à l'heure actuelle a déjà plus de 1500 pouces bleus. Et il y a déjà je ne sais pas combien de commentaires. Vous avez été nombreux à me donner des astuces. Il y a même des gens qui m'ont donné des objectifs dans les commentaires. J'ai carrément des gens, ils m'ont dit voilà, faut faire ça, 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 ça. Je vous le dis, j'ai lu toute la barre des commentaires, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu rien qu'en lisant la barre des commentaires. C'est un truc de fou quand même, hein. En tout cas, je suis super content de vous retrouver pour la deuxième partie de cette série sur Minecraft parce que franchement, je kiffe. J'ai fait un tout petit peu de hors caméra, je me suis fait une petite grotte vite fait dans la montagne, mais voyez, c'est un truc tout basique quoi. J'ai fait un petit lit, petite table de chevet. Ah ouais, d'ailleurs, dans ma table de chevet, j'ai quoi? J'ai pas mal de trucs. Ouais, franchement, j'ai tout rangé là-dedans. C'est bien cool, franchement. Alors, j'ai vu que vous avez mis plus de 1500 pouces bleus en pas longtemps sur la première vidéo de Minecraft. C'était un peu trop facile. Ce qu'on va faire pour la deuxième, si on peut avoir 2000 pouces bleus, ce serait le top, franchement. Là, ça voudra dire qu'il faut continuer et ce sera un truc de malade. En tout cas, ça me fait plaisir parce que j'ai vu qu'il y avait des gens... Je leur ai donné envie de jouer. Et des gens qui connaissent pas forcément Minecraft, ils m'ont dit, Jolat, putain, tu m'as donné envie de jouer et tout. Ça fait super plaisir, franchement, c'est un truc de fou. En tout cas, oubliez pas toujours, dans la description, vous avez un petit lien pour acheter les jeux moins chers sur G2A. C'est bien cool. Et regardez tout ce que j'ai mis dans mon coffre. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces dans les commentaires. Notamment faire contrôle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, tu fais contrôle. Non, c'est pas contrôle. Alors, attends. Ah, voilà, c'est mage. Voilà, mage clic, ça fait ça. Voilà, tu peux mettre directement dans ton inventaire. Il m'a dit comme ça. Ok, franchement, c'est cool. Alors, toute façon, je suis pas parti pour rester là, hein. Non, non, on va se casser d'ici, mon vieux, t'es malade. Là, j'ai fait mon petit plumard et tout, tranquille. Alors aussi, vous avez été, je pense, à l'unanimité, à me dire que mon pack de textures, c'était de la merde, tout simplement, disons les choses clairement. Appelons un chat, voilà, vous m'avez dit, écoute, Jolat, ton pack de textures, c'est de la grosse merde. J'ai dit, d'accord, et franchement, moi, je le kiffe, mon pack de textures, c'est un truc de fou. Il est trop bien. Je le trouve mieux que l'original, quoi, carrément, c'est un truc de fou. Bon, après, moi, je connais pas Minecraft, donc vous, peut-être que vous vous dites, ouais, ça dénature le jeu et tout, mais moi, je le trouve super bien. Mais, vu que vous avez été nombreux... Attends, on va fermer la porte, parce que tout à l'heure, il y a un zombie qui va m'attaquer, mon vieux. Vu que vous avez été nombreux à me dire, ouais, Jolat, ton machin, c'est de la merde, eh ben, je vais vous faire plaisir, on va le changer. Mais je vais vous montrer, j'ai d'autres packs de textures, regardez. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ouais, c'est quoi ton shader? D'ailleurs, il y en a pas qu'un, il y en a plein qui m'ont demandé, c'est quoi ton shader? Et ben le shader, c'est celui-là, les gens. C'est le dernier, là, que vous voyez. Zeus V10.2 Preview Ultra Zip. Voilà, ça, c'est le shader que j'utilise. Et le pack de textures, je vais vous montrer. Alors, attends, c'est pack de ressources. Voilà, j'utilise celui-là. C'est Modern HD by Miketo 1O. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires, il l'a mis direct. Hein. Il a mis ça, j'ai reconnu, c'est le pack de textures HD, il a dit GG à toi. Donc, on va l'enlever, pas de souci. Voilà, le pack de textures par défaut, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Personnellement, tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas ça super classe, quoi, franchement. Vous me direz celui que vous préférez, voilà. Ouais, je crois bien que j'ai fait planter l'ordinateur, mon vieux, c'est un truc de malade. Re tout le monde, suite à une petite coupure, mon PC, en fait, il avait planté avec les ressources pack, j'ai dû le redémarrer, mon appartement s'est figé, enfin, là, totalement, vieux, c'était un truc de malade. Et suite à ça, j'ai mis les textures comme ça. En fait, c'est les textures de Zelda. Regardez, franchement, c'est plutôt sympatoche. On a notre petit Link national et tout, franchement, moi, je l'aime bien. La fabrication comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de ce texture pack. Franchement, moi, je l'aime bien. Et puis, si vous trouvez que c'est pas assez stylé, eh ben, on mettra celui par défaut, si vous voulez. Enfin, vous me direz. Bah tiens, je l'ai jamais fait. Je mettrai un petit sondage juste ici. Hop là, dans le coin de l'écran. Eh ouais, il y a un petit i, vous pouvez cliquer. Et vous me direz si vous aimez bien les textures de Zelda ou bien si on met celle par défaut. Voilà. Et regardez ce que j'ai fait pendant cette coupure de caméra. Alors, franchement, ça m'a pris du temps. Regardez ce que je me suis éclaté à faire. C'est un truc de fou, j'ai carrément tondu la pelouse, mon vieux, j'ai tout aplati. Alors certes, ça m'a pris 3h20 pelles, mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais c'est pas grave, je me suis éclaté à le faire, franchement. Et franchement, putain, comment que c'était long, c'était un truc de malade, quoi. Mais j'y suis arrivé, j'ai plus de pelles, mon vieux. Regardez, j'ai trouvé une petite grotte, là, j'ai miné un petit peu. Bah tu parles, mon vieux, j'ai miné que de la pierre et du charbon, il y avait que dalle là-dedans. Ouh, tiens, regardons, il y a encore un petit trou. Elle est où la pierre? Tiens, regarde donc. Hop là, donne-moi ça. Voilà. Voilà. Impeccable, mon vieux. J'ai récupéré mes coffres et tout qui va bien. Et merde, là, ça va commencer à faire nuit. C'est un truc de fou. Ok. Je pense qu'on va commencer à se faire la base.
On va se faire un truc bien stylé, vous allez voir. Attention, c'est parti. On fait ça en musique. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi cette musique? Je l'ai jamais entendue celle-là. C'était chelou. Putain, dégage-toi! Casse-toi! Vas-y, viens ici! Oui, oui, viens! Qu'est-ce qu'il y a qui dit non? Non, non, si, si, viens ici! Vas-y, viens! Parce que lui, il va tout me faire péter, cet abruti, là! Vas-y, fais-toi plaisir! Je vais le niquer avant qu'il explose! Non! Bon, bah, c'est pas grave! Putain, regardez-le, il y a un squelettor là-bas, là! Lui, il va me niquer! Je me casse de là, je me casse! Casse-toi! Putain, mais il est malade, lui! Putain, il y a de ces bestioles là-bas, mon vieux! J'ai peut-être bien vu un petit peu grand! Enfin bon, putain, j'ai pas de bois, j'ai rien, faut que j'aille... Oh, laisse tomber quoi, j'ai que dalle. Et qu'est-ce que j'ai foutu de mon lit? Qu'est-ce que j'ai foutu de mon lit? Bon, ça va, je peux en refabriquer, hein, c'est cool. Alors, on va mettre tout ça ici, l'établi, le fourneau, ok, d'accord. Le coffre, vas-y, fais péter le coffre, on va mettre ça à côté, voilà, comme ça. On va se faire... qu'est-ce que j'étais parti pour faire là? Putain, il y a tellement de trucs à faire, je sais plus quoi faire à chaque fois. Déjà, on va manger ça, voilà. Ça va me remettre un peu les idées claires, ok, ça c'est cool. On va mettre un peu de lumière, parce que c'est vachement sombre là-dedans. Voilà, fais péter la lumière, on va mettre comme ça. Ah oui, je voulais faire une pioche, mais putain, j'ai pas de bois. En fait, il faut que j'aille couper du bois. Bon, on va aller couper du bois. Dans la nuit, c'est vachement dangereux. Ah bah attendez, j'étais parti pour me faire un lit. Ah bah oui, mais bien entendu, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire un lit. Vous m'avez dit, la nuit, faut te planquer. Je sais, je sais. Là, je prends des risques, parce que j'ai pas trop le choix, en fait, si vous voulez. Ah yes, ça commence à faire jour. Je vais tourner encore un peu la pelouse, ça me plaît pas, mon vieux. Voilà, quand c'est mal tendu. Et puis tiens, je vais reboucher les trous un petit peu, parce que ça non plus, ça me plaît pas. Voilà. Ah, faut que ce soit symétrique, parfait, mon vieux. Bien plat et tout. Oh, regardez ce magnifique lever de soleil. C'est juste magnifique. Regardez comment il est stylé, notre Link et tout. Bon, du coup, je vais aller rechercher encore un petit peu de bois, tranquille. Oh, il y avait un petit cœur qui traînait comme ça. C'est cool, ça. Alors là, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur la base. On va essayer de faire un truc bien et tout, vous allez voir. J'espère que ça va être nickel. On va essayer de faire un petit peu d'agriculture aussi. Donc, faire pousser des champs et tout. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit... Bah, en fait, il y a plein de personnes. Vous êtes nombreux à m'avoir laissé des astuces dans les commentaires. Vous m'avez dit, surtout, faut pas tuer les vaches, les moutons et tout, parce que faut les ramener, faut faire des enclos, faut les attirer avec du blé, du foin. Voilà, donc, il va falloir qu'on plante tout ça. Encore un cœur, je ramasse. C'est cool ça, de ramasser des cœurs comme ça et tout. Un petit peu à la Zelda finalement. Moi franchement j'aime bien ce petit pack de textures. Je trouve qu'il est cool. Bon, encore 2-3 coups et je pense que ma hache elle sera rincée. Voilà, c'était le dernier bloc. Donc là franchement on a de quoi faire. Elle est là-bas, ok d'accord. Ah oui c'est vrai, vous m'avez dit aussi dans les commentaires également d'appuyer sur F3 pour voir les coordonnées. Donc effectivement en haut à gauche on voit des coordonnées un petit peu. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord, ok, c'est ça les coordonnées. Et plus j'avance, forcément, plus je m'éloigne. Ok, d'accord. Bon, je m'en souviendrai, ok, parfait. Ah oui, on va se faire une petite porte aussi. Ce serait plutôt cool. Où est-ce qu'on va faire la porte? Voilà, juste à côté des coffres et tout. On va se faire une petite porte tranquillement. Alors, pour faire une porte, c'est comme ça. Ok, d'accord. Donne-moi ça. Impeccable. Et franchement, ça va, je commence à gérer un petit peu. Hein. Vous m'avez laissé beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de conseils. Là, vraiment... Je peux vous dire que je suis opérationnel, quoi. C'est un truc de fou. On va mettre 2 torches comme ça. Ça, c'est cool. Ok. Et on va aller miner de la pierre. Regardez, je vais vous montrer ma petite caverne et tout. Que j'ai creusé. Et franchement, j'ai bien creusé. Hein. J'ai fait ça bien. Regardez ça. Et encore, je suis pas descendu tout en bas. Hein. Vous voyez, là, il y a du charbon encore. Bon, du charbon, j'en ai déjà miné pas mal. Par contre, j'ai pas encore trouvé de métal, de trucs comme ça, vous voyez. Pour l'instant, j'ai trouvé que de la pierre et du charbon. Et j'aimerais bien trouver un peu autre chose. Genre de l'or, du diamant ou... Enfin, voyez quoi, ce genre de choses. Ah, regardez voir. Oh, c'est du charbon, ça. Oh oui, c'est du charbon. C'est sous forme de rubis avec le pack de Zelda. Franchement, c'est plutôt sympa. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Oh bah ça c'est de la terre ça, non? Alors oui aussi, vous m'avez dit de pas trop creuser sous mes pieds. Parce que sinon, on pourrait tomber dans de la lave. Donc je vais éviter de creuser sous mes pieds. Putain, j'aurais dû faire une pelle, merde. Oh! C'est quoi mon vieux ça? C'est quoi ce bruit là? Ce délire, je vous dis, j'arrive dans les enfers là, c'est un truc de fou. Regardez tout ce que j'ai creusé, regardez. C'est un truc de malade, j'ai trop creusé. Oh, écoutez. J'entends de la lave. J'entends de la lave là. Et toujours pas de métal en vue. Hein. Vous entendez? Il y a de la lave. Bon, écoutez, on va remonter tranquillement. Et on rentre au bercail. Regardez-moi ça, ce trou que j'ai creusé, quoi. C'est un truc de fou. Ah! Le bâtard! Non! Il va me niquer! Putain, il va casser mes trucs! Oh, comment qu'il m'a foutu les boules, mon vieux! Putain, la fragilité, mon vieux! J'ai poussé un cri dans Minecraft, quoi. Vas-y, 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 viens. Fais tout. Oh, le trou qu'il a fait, quoi. Putain, j'ai de la chance que je suis pas tombé dans la lave. Hein. Et puis, il y a même pas de métal, en plus. Ah, regardez ça. Ça fait jour dehors. Nickel. Tais-toi, salopard. Voilà. Ouh, quoique... Quoique je me ferais bien une ou deux côtelettes, hein. Hein. Voilà. Tu vois, il tombe bien, finalement. Allez, hop. Je vais me faire deux, trois côtelettes, là, vite fait. Un peu de charbon. Bon, en fait, je vais m'en faire qu'une, quoi. Bon, je vais essayer de finir un petit peu la base, tranquillement. Allez, on va monter là-haut. Et on est parti pour finir la base. Je suis en train de te faire le château d'Hyrule, mon vieux. Ganondorf n'a qu'à bien se tenir. Et là là, regardez ça. Et on va peut-être bien s'arrêter là pour la hauteur. C'est pas mal. Je vais recouvrir comme ça. Et je pense que j'ai des grands projets. C'est un truc de malade. J'ai envie de faire un étage et tout. Laisse tomber, quoi. Merde. Donne-moi mes pierres. Putain, j'ai tout fait tomber, quoi. Ouais, je vais recouvrir tout ça, là. Par contre, je vais garder 3 pierres, histoire de me faire un lit. Je vais juste en garder 3. Et je vais en garder 4. On sait jamais. Un caillou, ça peut toujours servir. Je vais aller me faire un lit. Oh putain, merde, je me pète les jambes, mon vieux, à chaque fois que je descends chez moi, c'est un truc de fou. Putain, mon vieux, c'est sombre, l'endo. Alors, attends. Fais péter la laine. Voilà, on va se faire un petit lit tranquillement. Pour le lit, c'est comme ça. Ah, c'est quoi, ça? Attends. J'ai fait un truc, là. J'avais fait un truc, là. Un tapis blanc. Ah, tu vois, je pourrais me faire un petit paillasson. C'est cool, ça. Voilà, on va se faire un lit comme ça. Ok, nickel. Tac. On est en train de se mettre super bien. C'est un truc de fou, quoi. Là, ici, je ferai une petite chambre par là et tout. Ça va être un truc de malade. Vous inquiétez même pas. Voilà, je vais le mettre comme ça. Eh ben, c'est impeccable, franchement. Vous ne pouvez dormir que durant la nuit. Bah ouais, tu m'étonnes. Putain, je me ferais bien une ou deux côtelettes, là, mais... J'ai pas envie de tuer tout le monde dans le secteur. Donc, on va se faire un petit brin d'agriculture. Il y a de l'eau, là. C'est quoi cette musique badante, là, qui apparaît comme ça, là? Comme par magie? Hein? J'ai fait quelque chose de pas bien? J'ai découvert un secret? Non? J'en sais rien, mon vieux. Voilà, on va se faire un petit champ de culture juste par là. Putain, ça commence déjà à faire nuit, quoi. On va faire pousser tout ça. Faut que je me dépêche parce qu'à chaque fois, vous voyez, la terre, elle commence à repousser dessus, en fait. Alors, ce qui serait bien, en fait, c'est que je fasse des tranchées d'eau, vous voyez. Mais ce qu'il y a, c'est que pour faire des tranchées d'eau, il me faudrait un seau pour récolter l'eau qui est ici et venir la mettre comme ça, vous voyez. Là, faudrait que je mette de l'eau ici. Voilà, après, je vais mettre des petites barrières et tout, tranquille, t'inquiète, je vais faire un petit jardin et tout. Nickel, quoi. Vous avez vu comment que c'est stylé, franchement. C'est grave stylé. Avec ma caverne secrète et tout. Ma caverne mystérieuse.
Ouais, je vais l'appeler comme ça. Ça déchire. Je vais dormir un peu. Et on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Oh, quelle belle journée qui se prépare. Oh là là, j'ai bien dormi, dis donc. Tu parles, j'ai à peine fermé l'œil de la nuit, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites barrières. Alors, les barrières, c'est comme ça, voilà. C'est mon champ de culture, ici. C'est chez moi. Ouh, regardez-le, le père mouton, là-bas. Il va finir dans ma clôture, lui. Ouais. Il y a des chances. Quand j'aurai fini de faire pousser mon blé. Là, ça fait joli, tu vois. J'aime bien. C'est inutile, mais joli. Non, non, je raconte des conneries. Bien sûr que si, c'est utile. Et si y avait des zombies qui avaient pour idée de me voler mon blé, là. Hein? Je serais bien content d'avoir ma barrière. Ouh, le père mouton, oui, oui. Tu peux me regarder de travers, là. T'inquiète pas, j'arrive. Et plutôt que tu le crois. Il faudrait juste que je trouve du minerai. Je vais aller chercher ça dans ma caverne secrète. On va essayer de tomber sur du métal. Franchement, ce serait super bien, quoi. Il y a de la lave et il y a un autre truc. Oh, regardez ça. C'est... Oh, c'est quoi, ça? Je vous dis, j'ai trouvé une grotte secrète, mon vieux. Putain, je sais pas si je fais bien de descendre avec tout mon stuff et tout, là. Je vais y rester, moi. Attends. Je voudrais pas perdre tout le stuff que j'ai. En tout cas, ça, c'est quoi? Merde, putain, c'est tombé. Oh, oh putain, c'est l'Eldorado là-dessous, mon vieux. Comment que je vais faire pour descendre? Attends. Ça, ça doit être du métal, hein. Je pense. Merde. J'espère que je vais pas me faire niquer. Attends, je vais prendre de la pierre. Je vais faire un escalier. J'ai ramassé un truc, là. Ah, yes! Minerai de fer! Ah bah voilà! C'est ça qu'il me fallait, mon vieux. Alors, attends. J'en ai vu un autre. J'en ai vu un autre. Voilà, j'en ai vu un, là. Par contre, je vais mettre des torches. Putain, regardez, il y a plein de trucs à explorer, là. Ah, bah regardez, putain, il y en a plein, là. Yes, putain, du minerai et tout. Oh, ça déchire. De l'or, mon vieux, c'est de l'or, ça. Putain, il n'y a rien, mon vieux. Ah oui, mais oui, je sais pourquoi... Je vais arrêter de le miner. Je sais pourquoi ça me donne rien. On me l'a dit dans les commentaires, ça. Tu vois, c'est en faisant ça que les commentaires me reviennent, en fait. Je crois que vous m'avez dit qu'en fait, il faut une pioche en fer pour miner les trucs comme ça. Sinon, ça donne rien. Donc, je vais arrêter de le miner. Non, non, je vais pas aller plus loin, mon vieux. Je vais remonter au bercail. On va se créer une pioche en fer et après, on reviendra. Il y a un truc rouge là-bas, mon vieux. C'est quoi, ça? Je sais pas c'est quoi, le truc rouge. Vous avez dû me le dire dans les commentaires, certainement. Ben, n'hésitez pas à me le dire. Je sais plus c'est quoi, le truc rouge. Comment qu'on s'est mis bien, là? Je vais tout de suite mettre ça à cuire. Excellent, quoi. Ça va me faire des lingots de fer et tout. GG. Oh, yes, l'épée en fer et tout. Oh, ça déchire. Là, on rentre dans le vif du sujet, tu vois ce que je veux dire? Là, on commence à tabasser dur, là. Je vais finir d'user mes outils en pierre. Donc, je vais les laisser quand même comme ça. J'ai deux pioches en pierre à utiliser avant. Hein. Fais voir comment que ça creuse un petit peu la pelle, là. Vas-y. Ah ouais! Oh, ça va trop vite, quoi. Oh, ça va super vite, quoi. Ah ouais! Je vais tout creuser et je vais faire un plancher en bois, mon vieux. Oh là 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 là, franchement, ça déchire. Hein. On s'est mis super bien. Mais de toute façon, il y a encore de l'or en bas, il y a encore du minerai de fer. Là, j'ai ma pioche en fer et tout. Là, franchement, je me suis mis super bien. Il va juste falloir que j'aille chasser un petit peu, histoire de me mettre bien au niveau de la nourriture, au niveau de la santé et tout. Et on sera nickel. En tout cas, les gens, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode sur Minecraft. Moi, je kiffe, c'est un truc de fou. La prochaine fois, il va falloir qu'on finisse la base. Va falloir qu'on descende dans la caverne mystérieuse pour aller chercher l'or et tout. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs à trouver. Il y a le truc rouge et tout, je sais pas c'est quoi. Peut-être qu'on va trouver du diamant et tout. Il y a encore plein de trucs à découvrir. En tout cas, pour ma part, j'ai encore plein de trucs à découvrir, ça c'est clair. Et puis, si vous êtes chaud pour la série, n'oubliez pas, pouce bleu, ça fait plaisir. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.